La francophonie, la langue française en partage. Le terme apparaît pour la première fois vers 1880, lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'emploie pour désigner l'ensemble des personnes ou des pays parlant le français. L'Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime à 274 millions le nombre de personnes parlant le français sur les 5 continents. Un exploit réalisé, à juste titre d'ailleurs, depuis 1970, date de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie OIF. Les pays francophones peuvent disposer d'un instrument institutionnel fiable pour la promotion de la langue et des relations de coopération entre les 80 États membres ou observateurs. Le partage de la langue, mais aussi des valeurs sociales et la promotion de l'éducation et la culture. Dans les faits, cependant, les missions de cet outil de coopération sont peu connues. La notion de francophonie n'est pas bien perçue sur le terrain, donc il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de campagnes pour sensibiliser les gens sur la notion de francophonie. Voilà, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la francophonie en fait. Méconnaissance de la francophonie pour certains qui trouvent le concept éloigné des réalités du moment. La francophonie est en train de sortir des bureaux pour occuper l'espace, pour occuper le terrain, disons-le. Donc ça nous permettra de faire reculer un peu les limites de cette francophonie qui avant était vue comme quelque chose qui appartenait à un groupe bien déterminé. Aujourd'hui, il faut que la francophonie puisse investir le terrain, descendre dans la population, pour exprimer ses valeurs et essayer d'apporter, de répondre à certaines questions, aux aspirations des populations. Et pourtant, dans sa charte adoptée en 1997 à Hanoï, au Vietnam, les objectifs de la francophonie étaient entre autres l'instauration et le développement de la démocratie, sans oublier le renforcement de la solidarité par des actions de coopération multilatérale pour l'essor de leur économie. Initialement, la francophonie, c'était la culture, c'était la promotion de la langue française que nous avons en partage. Mais la francophonie, ce sont des hommes et des femmes qui ont des besoins, qui ont une réalité, qui ont une existence. Et la question économique, donc, s'est imposée d'elle-même. Lors du 15e sommet de la francophonie, dont les assises ont eu lieu à Dakar, une stratégie économique a été adoptée. Pourquoi ? L'objectif de cette stratégie économique, c'est de prendre en compte toutes les préoccupations qui sont exprimées, notamment par les jeunes et par les femmes. Comment faire pour que, de façon pragmatique, la lutte contre le chômage soit assurée dans l'espace francophone? Comment faire pour prendre en compte les préoccupations des femmes dans l'optique de contribuer à leur autonomisation? Le volet économique, l'angle désormais visé par la francophonie, à l'instar des pays du Commonwealth, accentue les projets de développement des économies en partant des gros investissements à des projets plus individuels. La francophonie a toujours été proche des questions humaines, des questions essentielles de la vie des individus. Et aujourd'hui, elle estime, avec toutes les crises financières à répétition, qu'il faut intégrer les entreprises et y mettre peut-être mettre à contribution les cibles qui sont celles de notre avenir, qui sont celles des femmes et des jeunes. Un espace francophone où est pris en compte le partage des idéaux économiques. Contrairement aux idées reçues, l'initiative n'empiète en rien les prérogatives des différentes communautés économiques. Pour établir le parallélisme, il existe le Commonwealth dans l'espace anglophone. Donc le pendant du Commonwealth, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, c'est la francophonie dans l'espace francophone. Donc c'est vrai qu'il existe beaucoup d'institutions sous-régionales, des institutions bancaires qui œuvrent au développement, à l'économie, mais que la francophonie décide d'en faire autant, c'est un bénéfice pour tous les pays qui francophones et les experts dans le domaine de la francophone encadrent justement la plupart de nos jeunes, la plupart de nos femmes, pour trouver une réponse vraiment pratique à tous leurs projets de développement. Fini alors les grands discours sans solution concrète, place maintenant au réalisme. De 1880, en passant par les années 70, la francophonie aura fait du chemin. Et les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie et Norodom Sihanouk du Cambodge, des noms à retenir dans cette aventure linguistique, culturelle
et maintenant économiques.